Yo tout le monde, c'est Overdose, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Let's Play sur Fallout 76, donc pour l'épisode numéro 3. Souvenez-vous, nous étions allés à l'aéroport de Morgantown et donc on avait donc comme mission, fallait qu'on aille nique sa race, fallait qu'on aille ici quoi. Donc du coup on a un petit périple qui nous attend, donc qui est pas si grand que ça, mais bon je dirais qu'on a quand même un bon tiers de la map en distance à traverser, donc c'est parti. On va passer au passage donc à quelques endroits, mais grosso modo pour avancer vraiment sur la quête principale, je vais tailler et voilà. Donc en attendant, c'est parti, il va falloir run. Hein, je sais pas lequel c'est exactement de points là, ils font chier. Pop, étudier les recherches, ok, exposer QG. Donc nous c'est ça, étudier les recherches du docteur Hudson. Je vais mettre un marqueur là, comme ça je sais par où je dois aller. Pour info, donc du coup tout ce qui est quête secondaire, machin, bah du coup je le fais hors let's play, parce que sinon, laisse tomber quoi, jamais j'avance, jamais. Hein, donc là du coup, c'est pour ça d'ailleurs que ma tenue a changé. Voilà quoi, J'ai compris pas mal de choses dans le jeu, notamment l'espace de stockage au niveau de son camp qui est très très vite limité. Il faut faire vachement attention pour pas se retrouver en fait complètement full en fait. Hein, on a 400 espaces de stockage et en fait votre bric-à-brac, quand vous le stockez, eh ben le stockez pas tout de suite. Hein, soit il y a des objets qui vous intéressent particulièrement en fait avant de les mettre dedans, soit ça m'a foutu un coup de stress, soit vous recyclez votre bric-à-brac avant de les mettre dedans, parce que sinon bah, en fait vous vous retrouvez comme un teubé là avec 45 fois le même objet. Ouais bah oh ça va mollo la mimolette, oh là là quelle lenteur. Ouais. Alors, du coup, concernant tous les points de découverte, je vais pas tous les checker à chaque fois, hein, parce que ça, je le ferai en fait hors vidéo. Voilà, je me balade, je vois un endroit, je le fais. Et pourquoi? Parce que sinon, imaginez-vous, la quête, je dois juste aller à un point pour continuer ma quête. Bah, on se retrouve dans 4 épisodes, quoi. Donc, c'est pas évident. Donc, ça, on fera les découvertes des bâtiments liés aux quêtes seulement. Hein, donc je le rappelle de la quête principale, je viens d'avoir un freeze de la mort qui tue, c'est cool. Bon, en même temps, oh putain, oh, je l'avais pas vu. Blah. Oh putain, j'ai raté. Évidemment. Ouf. Waouh, oh le bâtard. J'ai eu un petit magnum en plus, un petit magnum des familles qui est pas dégueu. Boum, que je l'ai raté. J'étais pas raté, mais j'arrive pas à le mettre dans la tête. Voilà. Alors, hein? Autre chose? C'est bon? Poudre à canon, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas à quoi ça sert, parce que c'est pas considéré comme une saloperie de je vais trouver mes mots, hein, je vous le promets. C'est fou ça, il arrive pas le mec, hein. De munitions! Voilà, oh là, c'était dur! Moi, t'es pas que cheveux. Alors, j'ai bien envie de ramasser tout ce que je trouve. Sauf qu'en fait, le problème, c'est qu'il faut que je puisse être sûr de trouver en fait une cache sur la route qui puisse me permettre donc de vider tout mon stock. Parce que tout à l'heure, juste avant de lancer la vidéo, donc je suis allé à ma cache pour tout y mettre et j'étais quand même en surpoids de chez surpoids. What is it? Loup féroce. On va voir, hein. Oh là là, oh il arrive de ouf. Oh il est vénère. Oh il est mort. Bah. Skip papa. Il est où le dernier? Il y a un dernier. Il est là. Je vais te défoncer. Je l'ai pas défoncé. J'ai... Ah yes. Il est mort.
Salut vous. Hop, viande de loup cru, donc bien évidemment on ne va pas la manger puisque c'est la viande crue, c'est pas bon. Hop, une boîte à outils déverrouillable, ça c'est pour nous. Ah, j'ai cassé une épingle. C'est la première. Did you foot ma gueule là? Hein? Ok, cartouche, clé de vis, tournevis, bon, ce genre de choses qu'il faut prendre pour. Ça a la simple et bonne raison que c'est les premiers ingrédients du jeu, acier et bois. Hyper important. La viande de loup cru, on la fera cuire un peu plus tard, ça me fera un petit steak. On est des thugs, on mange des steaks de loup, quoi. On n'a pas le temps, on est riche. Et puis c'est tout. Je pense à autre chose aussi. Alors, je sais pas si ça va perturber le cours de la vidéo ou pas. Hop là, un petit zoom. Et du coup, je suis plus bien cadré. Zoomer pas mal. Non, c'est pas mal, c'est pas bien. C'est pas bien non plus. Va falloir faire du cut en montage. On n'a qu'à dire que c'est un peu mieux, même si j'ai un putain de contre-jour derrière moi. Par où qu'on doit aller du coup avec tous ces points, je ne vois plus rien. Ah, je vois en bas de mon écran une petite gare. Donc ça c'est intéressant. Oh, la vache, les mecs sont vénères. Oh. Allez. Ah merde, j'ai plus de... Ah oui. Eh, oh! Oh là là, je prends super cher. Oh, je crois que. Je suis tombé dans une embuscade. J'ai pas oublié l'autre. Ah, il est là. Ok, toi je te baise. Il y en a un qui est juste là, qui demande qu'à mourir. Voilà, au final, qui est mort. Wouhou! Spider-Man! Spider-Man! On va prendre un autre sim pack qui est mon dernier d'ailleurs. Il va falloir que j'en trouve un autre très 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 rapidement. Ah bah tenez, là, ça, ce qui est devant nous là, Red Rocket. Si je me souviens bien, à l'intérieur il y a une cache. Par ailleurs. Me force pas à descendre. Ah, t'es là mon gars. Wow! Ce qu'il a pris! Oh là là, oh j'adore, oh c'est satisfaisant. Oh mon gars, comment je t'ai allumé, oh, tout ce que t'as. Alors, dans un premier temps, hop, vous prenez tout comme ça, et vous allez stocker ça où vous pouvez, si vous pouvez, et hop, comme je le disais, il y a une cage. Ah, qu'est-ce que c'est un bébé. Mais, vous me faites chier là. Putain, il faut arrêter les conneries. Hein. Alors, on disait, donc on stocke dans un premier... Non, qu'est-ce que je viens de stocker, mais je suis un abruti. Ouais, je me... Tu vois quoi. Merde, j'ai pas fini de stocker ce que j'avais stocké. Alors là, c'est moins bien, on regarde pas. Ça, c'est à moitié mieux, mais il y a moins de résistance énergétique. Alors, on stocke aussi. Hop, voilà, ce qui est parfait. Donc, j'ai plus de munitions de mon... Bah, si j'en ai, pourquoi il a pas voulu tirer tout à l'heure? Mais ça l'enfoiré! La gare, elle est où? La gare, elle doit être là, à mon avis. On va aller checker juste ça. C'est intéressant de se dire que les gares peuvent... Enfin, c'est un gros avantage sur la map, puisque vous savez pertinemment que vous allez pouvoir stocker votre matos. Et c'est important. Parce que si vous êtes, on est très 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 rapidement en surpoids, j'ai pas encore trop compris les mécaniques du jeu concernant en fait l'augmentation de ce poids. Je sais très bien que c'est lié à la force, mais j'ai toujours pas compris comment monter la force. Donc, en attendant, eh ben, je me retrouve avec une banane en guise de sac, vu le poids que je peux transporter. Et voilà. Donc, sans surprise, putain, tous ces calcinés qui sont prêts à péter, voilà, donc une nouvelle cache. Donc, toujours intéressant à connaître l'emplacement.
toujours ce radin là qui vous achète et qui vous vend des choses à prix exorbitant. Steam Pack dilué 3, ouais, j'ai 330 capsules, ouais, mais je vais les acheter parce que putain ça coûte une blinde. Oh sa mère. Parce que j'ai plus de Steam. Putain, j'arrive pas, hein. Là, le chat il quitte pas en fait. Le chat il m'ouvre la map, c'est chiant. Est-ce qu'on a pas de munitions ici? On a pas de munitions là, c'est pas grave, on s'en fout. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais les rails, souvent, c'est signe de gros mobs. L'autre coup, je me baladais. Hein, pépère, tranquille. Et là, voilà Tipox qui je trouve sur la route, un petit yogaï. Voilà. Ayant un niveau plus qu'insuffisant. Et je me suis retrouvé comme un con. Donc, c'était pas marrant. Je peux vous dire que là, la personne a bien couru. Elle a plutôt bien couru. Bon, on admire en même temps le paysage qui, ma foi, est quand même assez sympa. Je veux dire qu'il y a quand même plus de variations de couleurs, faut avouer, que Fallout 4. Hein. Je suppose que, bon, il y en a beaucoup qui vont dire « Oh, mais Fallout 4, machin... » Bon, vas-y, ta bouche. Ah, là, là, parce que celui-là, faut avouer quand même qu'il n'est pas dégueu. Ouais, je fais un petit crochet au passage hein, pour aller découvrir le point qui est en haut. Surtout hein, vraiment pour l'avoir et au besoin faire un petit voyage rapide, on sait jamais. J'évite au maximum de faire des voyages rapides d'ailleurs pour... Bah, j'avais déjà découvert ça. Eh ben non, apparemment. J'évite au maximum d'en faire des voyages rapides pour simplement éviter de cramer mes capsules. Vous n'avez pas idée de comment c'est... Je trouve ça dur à avoir et si facile à dépenser en fait. C'est wow. Insane. Laisse-moi. Foutu caillou. Alors pour l'instant je suis pas tombé trop sur des gros mobs. Vraiment quand je dis gros c'est le yogai, je le compte à moitié dedans hein, parce que. Bon. Je compte à moitié dedans parce que le yogai effectivement quand on n'est pas level il est assez dur à tuer. Ah, il est résistant, il fait mal, il te prend, il te secoue dans tous les sens, tout ça, bien t'as vu. Mais c'est pas le pire. C'est pas le pire parce qu'en fait tu peux le counter assez facilement et tu peux même t'en débarrasser de manière très aisée. Sauf que je sais qu'il y a des écorcheurs. Je suis pas tombé dessus encore. Et je sais que les écorcheurs ils te foutent un stress énorme. Et c'est pour ça que j'espère ne pas en tomber sur un trop rapidement parce que je veux pas. Je suis pas d'accord. Je suis juste pas d'accord en fait. Hein, j'ai juste. Oh c'est joli. Quête commencée, capturée. J'ai rien demandé moi. Hein. Alors, on est où là en fait? Où là-bas? On est où? On est là. D'accord. Donc là, je vois une petite image de renard. Donc là, on a des quoi? Ok. Commencer l'entraînement. Ah, c'est là! Je dois aller là. Ouais, j'ai chopé une quête où il me dit du. C'est un entraînement en fait concernant le. Mais non. Concernant le notre camp en fait, nous entraîner à faire des choses comme ça quoi. Enfin, bien poser ton camp, tout ça, vraiment apprendre des petites techniques du survivor de l'extrême, hein, Man versus Fallout. Et comme ça, en fait, ben, ça te permettrait d'apprendre plus ou moins les bases du campement en dehors des choses simples. Parce que, effectivement, construire une tourelle, je sais le faire. Construire des bâtiments, je sais le faire. Mais apparemment, ça consisterait à apprendre au-delà de ça. On va quand même passer, parce que j'ai l'impression qu'on est dans une zone militaire, et qui dit zone militaire, dit probablement munitions. Ah, j'ai envie de prendre plein de choses, mais j'ai trop peur en fait de me retrouver en surpoids après, d'être comme un teubé, et me dire, ah bah, je peux plus rien faire. Mais on va noter, oh, du scotch. Adhésif en excès, oh, il faut de l'adhésif, c'est important l'adhésif, ça permet de réparer vos armes et vos armures, et du coup, voilà, c'est important. Capsule, hop là, vous voyez, deux capsules, je trouvais deux capsules. De foutu rappel. Ah là là, on retient. Je sais pas, c'est con, je peux pas mettre des points de repère sur la map. Genre, tu sais, une punaise. Genre, il me colle une punaise. Ah, point à revenir chercher. Because he's rich. La caméra, ça me va toujours pas. Hop là, c'est peut-être mieux. Je suis un peu plus au milieu maintenant, ça va. C'est cool. Aéroport. Ah, j'ai couvert deux points différents. Nami. J'entends des bruits, genre, c'est pas bien quoi.
Allez, voilà. Alors, vu ce que je vois là, il y a des super mutants dans le coin. Une poche de sang vide, on va la prendre. Mais je ne sais pas. Nettoyer un braxo. Bon, pour l'instant, on va squeezer énormément les bases fondamentales du jeu. Boîtier électrique, Poséidon. Ah si, j'ai trop envie d'essayer. Vas-y, appuie. Marche pas. Je vais casser. Vas-y, tant pis. Hein. On en est où? On est là. Ok. Donc là, ok, statut non obtenu. Et pour l'instant, je joue pas en groupe, j'ai pas envie de me risquer à quoi que ce soit. Je vais le laisser pépère. Hop. Bah, désolé de ce contre-temps. Heureusement que je fais des quêtes quand même pendant le tournage. J'ai pas le choix. Because my cat is very insupportable. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un événement, ça? Mais j'ai pas le temps, non? Ouais. Je ferai un événement plus tard, mais là tout de suite. J'en ai un peu un. Je m'en tamponne, mais alors, total. Je m'en fous. Ok, donc il y a un peu de monde. Ah, mais non, en fait, j'ai pas de. Ah, je me suis trompé d'arme! Bon, que faisons-nous? On doit aller là. J'ai envie. Oh, j'ai tellement envie de tirer dessus. Oh, j'ai touché. Pas eu là? Mais arrête des blagues, toi! C'est pas possible! Putain, 4 balles quoi! Bon, je suppose qu'il est pas tout seul, donc il va falloir faire gaffe. Ouais, là-bas, évidemment. De la goule sauvage. Toi, tu vas pas me casser les couilles longtemps, je te le dis, moi. Ok. Quoi? Qui m'a tiré dessus? Là-haut! Waouh! Ils sont sérieux, les mecs? Ah, ils sont déter! Alors, je vais ramasser un des trucs qui va me. Il va me niquer. Bah, c'est vrai que tu tires, mon gars. Wow. Ça, c'est un joueur, ça. Ah, ça, c'est un joueur! Et je vais le laisser faire. Non pas que je suis une flippette, hein, mais... Ah putain, ah je l'ai loupé. Ah j'ai le seum. Je peux peut-être monter et le chercher, hein. Qui me tire dessus? Toi qui me tire dessus? Vas-y, mais remontre-toi, là. Je me fais tirer de par-dessus. Ouh! Oh là là! Oh là là! Ah non. Bon, par contre ça, oh là. Non, non. Ok. Bon. Ah, je parle un peu moins là, mais vous voyez quoi. Qui c'est qui me tire dessus là? Ah, mais. J'ai pas vu lui. Mais ils sont combien? Faut tout de suite arrêter les conneries, les gars. Ouah, j'ai plus rien pour me heal. Enfin, je crois, hein. Bon. Prenons notre temps. J'ai de l'eau bouillie. Ah, j'ai du Nuka-Cola qui me permet de me soigner. C'est génial. Psycho,
qu'est-ce que ça nous fait? Dégâts plus 15%, on va prendre un psycho. Et toi, je vais t'enculer à sec, mon. Ok. Ah oui. Bah, effectivement. Effectivement, ça a pas menti. Et toi là-bas. Oh, toi aussi, tu commences à me saouler. Eh, mais ils sont combien? Tu m'expliques l'intérêt de te faire des headshots si jamais tu meurs pas. Encore un. Ok. J'ai pas eu. Pas eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai pas eu. He's not dead. He's dead. Ok. Alors cette fois-ci, je pense que le ménage a été fait. Enfin, je pense que c'est. Je pense que c'est réglé quoi. On va passer sur une notre arme. On va passer sur le fusil à pompe au cas où. Parce que là, je vais aller les chercher. Waouh! Sérieux, je lui fais tellement pas de dégâts. Mais! Waouh! Mais c'est un sketch, c'est ça qui va me tuer? Mais faut arrêter les conneries, hein. Du coup, il me stresse, j'arrive pas à les viser, quoi. Mais crève, 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 laisse-moi tranquille. Parce qu'il perturbe mon rechargement. Mais il y en a combien? Allez, c'est fini, c'est bon. Vous n'avez pas marre de nous péter les couilles? Oh nom de Dieu. Oh, c'était compliqué, hein. Qu'est-ce qui se passe? Je suis fatigué? Je crois que je suis fatigué. Bon, on va manger tout ce qu'on a sous la main. Parce que, bah, de toute façon, j'ai plus grand-chose. Il faudrait que je puisse faire cuire des trucs. Oh! Là, je suis désolé, mais c'était... Oh là là, c'était dingue! Ah, je trouve que c'est trop cool. On va réussir à la faire, cette salopée de quête, hein. Allez, donne-moi mon loot, toi. Poudre à canon, je ramasse, on sait jamais. Ok. Il y a quelqu'un, là. Ah ouais, mon gars, hein, tu me rends tout... Enfin, à cause de toi, j'ai dû dépenser tellement de choses. Putain, j'ai plus de steam pack. Faut tout recharger, du coup, là. Ah là là. Bon. C'est une bonne expérience quand même, hein, en guise de... En termes de... Non, je veux pas aller dans l'eau. En termes de combat, je pense que c'est pas mal. Justement, ça apprend à gérer des situations aussi dangereuses. Donc, il est où le truc? Il est légèrement sur la gauche. Je veux pas aller dans l'eau. Faut pas aller dans l'eau. C'est pas bien. N'allez pas dans l'eau, c'est hyper dangereux. Parce qu'il y a souvent plein de choses dégueulasses dedans. Plein de radiation. Faut faire attention, c'est tout. J'ai une recette, nice. Cuisinière, ah bah parfait. On va se faire un petit steak si on peut. Je sais même pas si j'ai pas du bois. Si je peux faire un faux filet.
Ok. Travers de loup. Steak de râteau. J'aurais dû ramasser les autres de râteau. Du coup, ça nous donne quoi ces trucs-là, là? Travers de loup, ok. Eh, c'est pas mal quand même. Allez, vas-y. Hein. Une petite chaise, apparemment, parce que j'ai cru voir que j'étais fatigué. Je ne suis pas encore reposé. Hein. Je sais pas du tout ce que ça fait en fait. Alors, bah rien. Je pense qu'il faut un lit au moins. Sans doute. L'idée du fusil à pompe me semblait plutôt bonne. Ah, ces saloperies de calciné. Hein. J'en peux plus de. Il me sort par les trous de nez. Et là, ici, en plus, il y a deux mobs de ouf là. Si vous avez regardé la montre. Une espèce de trailer, vous avez dû tomber dessus. Hop là, on rentre avant de se faire niquer. Alors, est-ce que c'est le bordel ou. Ça a l'air d'être le bordel, hein, honnêtement. Je regarde genre. Déjà, je suis pas au bon endroit. Putain. Bon, donc c'est celui qui est en face là-bas, là, le point. On va run, mais alors de toutes nos forces, parce que je sais qu'ici il y a un mob que j'ai pas envie de recroiser. Je sais pas où il est, mais je veux pas le savoir en fait. Non, vraiment, vraiment, c'est un mob que même vous, avez pas envie de croiser. Il est fort. Il est moche. Il est gros. Il est résistant. Il fait peur. Non, vraiment, c'est pas quelque chose que vous avez envie de croiser. Vraiment pas. Allez, c'est ici. Bon, vu le temps que ça fait que je commence à tourner la vidéo d'ailleurs, bah du coup pas de mission, hein, mais on est quand même arrivé jusque-là. Donc, et ben, je propose en fait d'arrêter ici et simplement on se verra, on fera la mission donc pour le prochain épisode que je vais m'empresser de tourner sur le champ. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis ciao tout le monde. Kiss!